Il y a 2 ans tout juste, le constructeur Mercedes présentait au CES de Las Vegas l'intérieur de la classe E, son cockpit. Et en 2018, eh bien regardez ce qu'on a devant nous, c'est celui de la future classe A. L'occasion donc de découvrir ce cockpit à la fois très proche de celui de la classe E, puisqu'on a toujours ces 2 écrans LCD, comme on retrouve d'ailleurs sur la nouvelle classe S. Mais donc autre similarité, pardon, ces compteurs, enfin cette disposition des touches ici qu'on avait sur classe E avec ces petites zones sensitives. Mais pourtant, il y a de la nouveauté sur ce système d'infodivertissement. Et on commence d'abord par la dalle qui est derrière le volant. Cette fois-ci, elle est découpée en 3 niveaux. En fait, on a ce compteur qui est une zone d'affichage, cette partie centrale ici et ce qui ressemble souvent au contour. Ici, c'est vraiment découpé en 3 zones. On nous explique qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et du coup, eh bien, ça offre plus de modularité possible au système. Regardez, je suis sur l'écran de gauche. Je peux complètement choisir ce que je veux voir s'afficher. Ma consommation, mon nombre de kilomètres, kilomètres restants, la radio. Si je bascule sur l'écran central, eh bien, de nouveau, je peux choisir ce que je veux y afficher. Et sur l'écran de droite, là encore, la personnalisation suivant différentes possibilités qui me sont offertes par le système. Système qui est créé en partenariat avec Armand Cardon pour la partie matérielle, mais c'est bien Mercedes qui a choisi ce qu'il voulait afficher dans ses écrans. Et regardez, lorsque je suis sur l'écran central, eh bien, je peux cette fois-ci demander au système de basculer dans un affichage complet de la cartographie. Là, j'ai ici un affichage qui est un peu réduit, mais lorsque je me déplace dans cet autre menu et que je demande full screen, regardez, les compteurs sont occultés et on passe sur un affichage 3D intégral. Alors évidemment, ça rappelle d'autres solutions qu'on connaît, mais c'est néanmoins bien organisé, assez lisible. Tout ça, ce sera complété en plus par un système d'affichage tête haute et surtout, grosse nouveauté pour ce segment de véhicule qui est classé A, l'affichage en réalité augmentée. Il y aura donc une caméra dans le véhicule qui filmera les yeux du conducteur et qui ajustera la projection en réalité augmentée. Un système d'affichage tête haute très évolué qui va calquer les informations de guidage sur la route. Et ça, eh bien, ça se désactivera à partir d'une certaine vitesse, pardon, parce qu'on nous dit que c'est finalement trop perturbant dès qu'on commence à rouler plus vite. On va forcément maintenant s'intéresser à l'écran central. Écran central qui, grosse nouveauté, devient tactile. A priori, plutôt réactif. On va évidemment retrouver les services connectés. Alors là, dans les situations de salon, bah forcément, ça va pas très bien marcher. Mais on a évidemment les liens smartphone, Android Auto, CarPlay. Et surtout, eh bien, la possibilité d'accéder au service Mercedes Me, la possibilité d'accéder à des points d'intérêt. Les réglages du véhicule, on ne va pas s'attarder parce qu'évidemment, ça va dépendre de toutes les assistances et technologies qui seront dans la voiture. Pareil pour les informations sur la consommation, le moteur. Alors ça sera rigolo, sans doute pour des versions un petit peu plus puissantes du véhicule où on verra ces jauges s'activer. La possibilité d'intervenir sur sa radio, c'est classique, vous allez me dire. Idem du côté de la navigation, sauf que si Mercedes a bridé jusqu'à maintenant l'intégration du tactile, c'est parce qu'il voulait quelque chose de très sûr à utiliser, c'est-à-dire quelque chose de rapide pour ne pas se détourner son attention de la route. Et pour ça, eh bien, regardez, le petit côté malin, c'est que par exemple, sous la navigation, j'ai 2 fonctions, 2 raccourcis que je peux assigner, personnaliser bien évidemment. Et là, en l'occurrence, eh bien, par exemple, sur la navigation, je peux lui demander de me répéter la dernière instruction, de couper le volume ou tout simplement d'arrêter la navigation. Et si je reclique là, eh bien, si j'ai configuré l'adresse du travail ou de mon domicile, automatiquement, il va me diriger vers ma destination. Même chose du côté du téléphone, avec un raccourci direct vers mes contacts favoris ou tout simplement mon carnet d'adresses. Ça, c'est du tactile, c'est bien. Et si jamais vous voulez être vraiment confortablement installé dans votre classe A, on va évidemment retrouver cette zone sensitive entre les sièges qui propose sensiblement les mêmes fonctions avec ce système tactile qui, on vous le redit, réagit bien. Et surtout, ce que vous n'entendez pas dans cette situation de salon, c'est qu'on a un petit cliquetis qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on change de menu.
Et évidemment, à travers de ce nouveau système Mercedes-Benz UX, on va retrouver aussi de la reconnaissance vocale qu'on activera avec cette touche au volant. Reconnaissance vocale assurée par nuance. Et on va aussi retrouver sur la zone sensitive dont je vous parlais à l'instant, eh bien, la possibilité de dicter des lettres, enfin de saisir des lettres, pardon. Ça aussi, ça commence à devenir assez classique, mais c'est toujours très agréable dans la mesure où ça fonctionne très très bien. Voilà, et donc nous, on va décider d'aller à Paris-Porto. Ok, on l'a piégé. Bon, évidemment, on a saisi Paris pour cette démonstration. Beaucoup de paramètres, donc, et surtout la possibilité de s'identifier lorsqu'on rentre dans sa voiture. Regardez, sur le menu Home, ici, alors c'est le CES 2018, mais je peux créer un profil. Voilà, invité, CES 2018, je pourrais tout à fait eh bien, appeler ici un profil David et lui donner des paramètres, ce qui va permettre au véhicule de me connaître et de me suivre tous les jours et d'accéder à des suggestions. Imaginez, tous les matins, vous partez au travail et vous écoutez RMC, eh bien, automatiquement, il va venir se greffer ici. Et si tous les matins ou tous les après-midi, vous rentrez du travail et vous écoutez de la musique sur votre clé USB ou alors vous rentrez chez vous, ça va arriver dans les fonctions de suggestion. Des fonctions qui sont forcément liées à une partie d'intelligence artificielle, le véhicule qui vous apprend. Et ces paramètres, eh bien, il y en aurait 700. 700 points sur lesquels cette classe A pourra intervenir pour configurer votre habitacle, climatisation, musique, etc. sitôt que vous rentrerez dans votre voiture.